Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. Welcome to Fun and Easy French by FrenchPod101.com. Do you know what it means when I say, je suis navré? If you don't, keep watching, because you might need it. Salut, je suis Lia. Hi everyone, I'm Lia. In this lesson, you learn all about how to say sorry in French. And by apologies, we mean everything from casual sorries to formal apologies and even body language. So in this video, you'll learn, firstly, the three most important words to know. Secondly, the 40 ways to say, I'm sorry. And thirdly, how to accept apologies. Let's start with number one, the three most important words. Although there are plenty of ways to say sorry in French, the three main words you need to know are excuse, which means apology, désolé, which means sorry, and pardon, which means pardon. You'll see these words over and over in the phrases I'm going to teach you right now. Are you ready? Let's start. Number two, the 40 ways to say I'm sorry. Excuse me is je m'excuse or excusez-moi. These are casual ways of apologizing. The formal ways to excuse yourself are je m'excuse, meaning I excuse myself. Excusez-moi or excuse me. Veuillez m'excuser or please excuse me. Toutes mes excuses, meaning all my apologies. And je vous présente mes excuses or I present you my apologies. These first seven phrases are the most popular ways of saying you are sorry. When it comes to asking for forgiveness, you can say pardon, forgiveness, pardon, pardon, pardonne-moi, forgive me, pardonne-moi, pardonne-moi, or je te demande pardon. I ask for your forgiveness. Je te demande pardon. Je te demande pardon. If you want to be formal, you can use pardon or pardonnez-moi. Forgive me. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Or je vous demande pardon. I ask for your forgiveness. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Sentences with s'excuser, to apologize, or pardonner, to forgive, can be used to express that you are sorry about your actions or the situation. Next, sorry in French is désolé if you're a man, and désolé if you're a woman. So, je suis désolé, or je suis désolé, is I am sorry. If you want to add extra emphasis, you can use vraiment or really and say je suis vraiment désolé. I'm really sorry. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. There is also sincèrement or sincerely. Je suis sincèrement désolé. I am sincerely sorry. Je suis sincèrement désolé. Je suis sincèrement désolé. You can also use réellement or truly. Je suis réellement désolé. I am truly sorry. Je suis réellement désolé. Je suis réellement désolé. And tellement or so. Je suis tellement désolé. I am so sorry. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Now, if the incident is so trivial that it doesn't even deserve désolé, you can just say oops, oops, which is super casual. Now, let's say you want to accept the blame and say you are guilty. You can say je regrette, I regret, je regrette, je regrette, je suis navré, I'm sorry, je suis navré, je suis navré. C'est ma faute. It's my fault. C'est ma faute. C'est ma faute. Je ne le ferai plus. I won't do it again. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus.
Je n'aurais pas dû dire ça. I should not have said that. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Comment puis-je me faire pardonner? How can I be forgiven? Comment puis-je me faire pardonner? Comment puis-je me faire pardonner? A more casual way is, j'ai déconné. I've screwed up. J'ai déconné. J'ai déconné. If you want to offer your condolences, you can say, je vous présente mes sincères condoléances. I offer you my sincere condolences. Je vous présente mes sincères condoléances. Je vous présente mes sincères condoléances. En ces moments difficiles, je vous apporte tout mon soutien. During these difficult moments, I offer you my full support. En ces moments difficiles, je vous apporte tout mon soutien. En ces moments difficiles, je vous apporte tout mon soutien. Je partage votre douleur et vous adresse mes sincères condoléances. I feel your pain and offer my sincere condolences. Je partage votre douleur et vous adresse mes sincères condoléances. Je partage votre douleur et vous adresse mes sincères condoléances. Now, if you're in a professional setting, you can say, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Please excuse us for any inconvenience. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Je suis au regret de vous informer que I'm sorry to inform you that. Je suis au regret de vous informer que. Je suis au regret de vous informer que. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. We offer you our apologies for this inconvenience. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. Je vous prie de nous pardonner pour. Please forgive us for. Je vous prie de nous pardonner pour. Je vous prie de nous pardonner pour. What about gestures and body language? To show that you are sorry, you can hold your hands up, as if you are being held at gunpoint. Place one hand over your heart. Open your hand in front of your hips, palms up or down. Slightly extend one hand, palm up, toward the other person. Hold your hand together, perpendicularly in front of you. Okay, we are done apologizing now. Let's move on to the last part. Number 3. How to accept apologies. So, how do you accept apologies? What should you say when someone apologizes to you? If it's trivial, you can say, c'est rien. It's nothing. C'est rien. C'est rien. C'est pas grave. It's nothing serious. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas de soucis. No worries. Pas de soucis. Pas de soucis. For more serious situations, you should say, j'accepte tes excuses. I accept your apologies. J'accepte tes excuses. J'accepte tes excuses. And the formal version is, j'accepte vos excuses. Merci de t'être excusé. Thank you for apologizing. Merci de t'être excusé. Merci de t'être excusé. And the formal version is,